الو تقص الكورونا باق الو طومبي سي سيل فو بلي طومبي سي فا الونجي فوتر دوري دو في كومون سا الو Alors, on connaît tous que on perd 20 ans de notre vie en dormant, 4 ans en mangeant, 5 ans en regardant la télé, etc., 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 etc. Mais le pire des cas, c'est que on perd 3 ans de notre vie en attendant le bus. Ça, c'est pas logique. Pour moi, c'est pas logique. Ces deux photos-là, les gens qui ont ici, ils sont les mêmes. La seule différence, c'est que entre cette photo et cette photo, c'est des dizaines d'années. Ils attendaient le bus dès cette photo jusqu'à cette photo et le bus n'arrivera jamais. C'est ça le problème. Et vous pouvez encore voir que c'est 4 personnes ici et 3 personnes ici. Alors, à vous d'imaginer. Le problème qu'on va attaquer ici. Ça affiche bien, mec. Le problème qu'on va attaquer ici, c'est la perte du temps. On perd beaucoup de temps en attendant le bus. En plus, l'ignorance des terminus et du numéro exact du bus pour atteindre notre objectif. Alors, la solution est très très simple. Une application qui est facile, rapide. Tout simplement, elle va afficher la localisation du bus avec l'estimation du temps que le bus va arriver à mon point d'arrêt. En plus de ça, vous pouvez programmer de notification de telle sorte qu'il vous avertit lorsque le bus est près de vous 3-5 minutes, c'est à vous de décider. Alors le process de l'application est très très simple. L'accueil contient des photos de roulantes avec des ads plus obtenir les choix pour le moment on va se concentrer pour le bus. On va élargir les dés pour qu'il soit compatible avec les trains, les taxis. Et dernièrement, la map qui va contenir toutes les informations désirées. Pour la targeted market, nous avons choisi les sociétés de transport, par exemple Alza, Dinabus, etc. L'application Diana utilise à beaucoup d'utilisateurs. La plupart de ces utilisateurs sont des étudiants. Donc on va récupérer des informations propres de ces étudiants, nom, prénom, email, les endroits les plus visités, les endroits où il y a de l'embouteillage. Ces données-là, on peut les vendre, on peut même rendre notre application comme panneau de publication, on peut même vendre l'application en shot. Et finalement, la petite famille, Monsieur Abdila, designer, Monsieur Abdelghafour, porteur d'idées, et Monsieur Boris, notre meilleur développeur qui est ici, by the way, déjà stagiaire chez Screen Day. Donc, merci beaucoup l'équipe Diali, merci beaucoup Bzaf. Alors, merci beaucoup. Ramadan Mubarak Saïd, ou Rajin Touhishoukoum. Choukran. Alors, la dame d'avant. Qui va vous aider à bien traquer votre bus. Voilà l'accueil, c'est juste des photos à propos de l'application. Ensuite, on va mettre ici des as et des publications. Alors, pour traquer un bus, simplement clique ici. Voilà, vous choisissez le bus. Pour le moment, on va se contenter sur le bus. Après, on va l'élargir pour les grandes personnes. Enfin, bus. Voilà, je choisis par exemple le 1, suivant. Et voilà, le temps écoulé, le temps estimé pour arriver à Guilize, à Messira et tous les détails que je vous donne. Alors ici, le login pour l'admin, le chauffeur, ici un login pour un autre utilisateur. Et voilà. Alors merci. Juste, ça va pas nous faire augmenter la vie, ça va nous faire profiter de la vie.
Voilà, j'ai choisi augmenter. C'est pas augmenter parce que Amar biyadillah. Parce que on va nous faire. Parce que ça va nous faire optimiser le temps, ça va nous faire, c'est-à-dire gagner du temps. Mais tabarakallah alik, une très bonne application. Merci. For your target market, well, how many people can this help? Like how many people take the bus, and how many people will benefit from something like this? So, in Morocco, 60% of Moroccans, they use bus as a general way of transport. So I think if I give them this solution, they will all use this application. Because because of this application, they don't have to wait. They only decide. That's it. Okay. Thanks.